volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Léni, je t'en prie, parlons sérieusement. Écoute, tu sais, tu n'as pas besoin d'être aussi autoritaire avec moi. Parce que tu ne dois jamais oublier que je suis toujours ton meilleur ami, de toute façon. Plutôt, ta meilleure amie. Ta meilleure copine. Ta meilleure amie. Tu vois, j'ai réussi à te faire rire, petite coquine. T'es un clown. Ah, regarde le clown. C'est pour ça que je t'aime tellement. Ah, comment tu m'as fait peur. Bon, maintenant, je dois vraiment aller aux toilettes. Comment est-ce que tu as pu faire une chose aussi stupide que ça? Béatrice ne le croit pas. Non, 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 Béatrice, cet homme est complètement fou. Tu es cinglé. Il est cinglé. Ne t'approche pas de moi, Mariana. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Béatrice. Répète, je te dis. Non, tais-toi, t'es... Alors tu n'as aucune considération pour ta femme? Je n'ai pas besoin de toi pour me défendre, compris? La seule chose qui me manquait, c'est que la femme qui m'a trahi me défende. Je ne t'ai pas trahi, Béatrice. Je jure devant Dieu que je ne t'ai jamais trahi avec ce type. Quand je suis sortie avec ce monsieur, il s'appelait Bobby Casablanca. Et pour moi, c'était Bobby Casablanca. Laisse-moi t'expliquer. Tu peux pas fermer ta bouche. Pourquoi tu n'as pas une once de compassion, Roberto? Tais-toi. Je sais que tu as le droit de ne pas me croire. Et je jure sur ce que j'ai de plus sacré que je ne suis pas sortie avec ton mari. Je te promets, sur la tête de ma mère, que je n'ai pas eu de liaison avec lui. Je te promets. Une autre promesse, Mariana? C'est le dernier. Je te jure. Va avec elle. Béatrice. Tu es bien amoureux d'elle, n'est-ce pas? Alors vas-y, Roberto. Je vais prendre tout ça. Non. Mais c'est tout à fait ton style. Eh bien oui, maintenant j'ai décidé d'être plus économe, Scarlett. Attends, laisse-moi voir. Mais tu ne prends rien? Non. Alors explique-moi pourquoi tu les as essayés. Eh bien écoute, si maintenant je dépense tout mon argent, comment je vais faire après, hein? Mais comment ça? Tu en demandes plus à Miguel Angel? Enfin, Scarlett. Quoi? Il faut bien que cet homme continue à subvenir à tes besoins. Adri, je ne te reconnais plus. Tu sais, nous les femmes, on a besoin qu'on prenne soin de nous. Et alors, pourquoi tu n'en profites pas, tout simplement? Non, nous ne sommes pas belles. Oh non! Nous ne sommes pas belles?
Oui, oui, bien sûr, nous sommes belles, mais c'est juste que... Ah, oh, non, enfin, c'est juste quoi, Adriana? Mais en vérité, c'est que si je dépense cet argent, j'aurais vraiment l'impression d'être une mauvaise mère. D'accord. Oui, en effet, donne-moi tout ça. Je vais payer. Non, 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 tu ne peux pas, Scarlett. Mais il n'y a pas de mais, Adriana, je t'ai dit que je vais payer. Ne discute pas, d'accord? Mais c'est que j'ai vraiment honte. Honte de quoi? Je me sens gênée. Adri, nous célébrons notre amitié, ma belle, parce que nous sommes redevenus amis. Et d'ailleurs, ça n'a pas de prix. En plus, il me reste un peu d'argent pour les photos que j'ai faites. Sinon, j'ai Roberto. Roberto va te donner de l'argent? Beaucoup. Tu vas voir. Mettez tout sur la même facture. Je t'en prie. Oh, regarde. 400, 450 et 500. Tu sais que l'argent, c'est fait pour être compté, Tonicito. Et alors, dis-moi, Ruben, quand est-ce que tu pars? C'est pour ce soir. J'ai déjà la correspondance pour le Panama. Cet argent est tout ce qu'il me manquait. Attends, Ruben, j'ai une autre question. Combien de temps ces abrutis de la Direction Générale des Impôts vont prendre pour clôturer cette enquête? C'est assez rapide, car aujourd'hui, ils sont très compétents. Et du coup, il va leur falloir que quelques jours pour avoir la peau de ce vieux Gonzalo White. Il sera accusé de contrebande, de falsification de documents publics. C'est grave. J'espère bien que grâce à la loi, ils lui mettent la main dessus très vite. Car les criminels doivent être placés derrière les barreaux, c'est leur place et je l'ai toujours dit. Oui, bien sûr. Qu'ils le mettent en prison dans ce cas. Il faut travailler honnêtement pour gagner sa vie. Allez, j'y vais, Tony. D'accord. Salut, Ruben. Au revoir. Fais très attention. J'espère ne jamais vous revoir. Enfin, Lina, cet homme doit vivre caché pour le restant de ses jours. Vu que la transaction a été faite à partir de son propre compte, ce qui fait qu'il est autant trempé dans cette affaire que le vieux Gonzalo White. C'est parfait. Aïe. Finalement, je ne crois pas que mon mariage aura lieu. Je ne peux tout de même pas me marier avec un criminel. Tu es une vipère, tu es une sorcière, une belle petite peste. Non, mais franchement, je n'arrive toujours pas à y croire. Comment ont-ils réussi à nous duper aussi longtemps que ça? C'est inimaginable. Mais Béatrice, nous devons réagir très rapidement. Demain matin, nous irons impérativement voir l'avocat pour la procédure de divorce. Et nous demanderons à ce que Roberto nous verse 80% de tous ses actifs. Je ne crois pas que ce soit la meilleure chose à faire, Lina. La meilleure chose? Attends, excuse-moi. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du comportement de Roberto? Sérieusement, Béatrice, ça m'exaspère que tu cherches encore désespérément à le défendre. Qu'est-ce que tu bois? Simplement du jus d'orange. Tu es complètement inconsciente de boire du jus d'orange dans ton état? Mon Dieu, Béatrice, un simple jus d'orange contre le stress. La combinaison parfaite pour avoir une gastrite. Tu ne voudrais pas un whisky? Non, mon jus me convient. Je mourrais d'envie de boire un verre, c'est exquis. Entre. Où est-ce que tu veux que je pose cette boîte? Là-bas, merci. Ça te dirait qu'on aille au cinéma ou alors qu'on aille manger un bout ou je ne sais pas, quelque chose? Non. Juan Carlos, vraiment, j'apprécie, mais je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Tout ce que je veux pour le moment, c'est monter me coucher et dormir pendant... À moi. Bien, écoute, si tu veux, tu peux prendre un jour de congé demain. Rien ne t'oblige à venir au magazine. Non, bien sûr que non, Juan Carlos, non. Tout va bien. Comme d'habitude, je serai au travail demain. Car ce n'est pas un problème. Parfait, c'est bon, alors je te verrai demain. Je te raccompagne. Salut. Passe une bonne nuit. Merci. Écoute, Tony a proposé de nous aider chez Béatrice Durand pour la conception. Ça ne sera pas nécessaire, c'est mon travail. Après tout, je suis créatrice. Oui, mais supposons que pendant quelques jours, tu ne peux pas te donner à fond dans le travail. Ma chérie, c'est tout à fait normal que tu sois triste et que tu sois déprimée vu que tout le monde s'est moqué de toi. Tu pourrais laisser Tony t'aider jusqu'à ce que tu ailles mieux. Béatrice, je me charge de tout ce qui concerne l'organisation. De l'atelier, du divorce, et nous allons même vendre cette maison. Je ne veux pas partir d'ici parce que c'est ma maison. Béatrice, si tu le voulais, tu pourrais avoir une maison dans toutes les grandes capitales de la mode.
À Milan, à Paris, à New York. Dès que Roberto te donnera ce que tu mérites, alors là, tu seras une femme riche, une femme vraiment très influente. En ce moment, l'argent est vraiment la dernière chose à laquelle je pense, Lina. Tu sais, j'avais tellement confiance en Marianne. Je l'aimais bien. Elle était devenue ma meilleure amie. Non, Béatrice, arrête de pleurer, ma chérie. Il ne mérite pas que tu te mettes dans cet état. Attends, je sais déjà de quoi tu as besoin. Sans doute, il te faut un whisky pour vraiment te remonter le moral. Tiens. Prends-le. Vas-y, ma chérie, bois-le. Tu en veux un autre? Allô? Mademoiselle Mariana, c'est Yolanda, la femme de ménage de Madame Béatrice. Bonjour Yolanda, comment allez-vous? Ça peut aller, Mademoiselle Mariana. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous veniez ici tout de suite. Pourquoi, quelque chose est arrivé à Béatrice? Ce qu'il y a, c'est que sa sœur, Mademoiselle Lina, est en train de lui donner du whisky à boire. Et vous savez très bien comment ça se passe quand Madame Béatrice boit de l'alcool. Ah, je vous en supplie, venez vite. Venez lui parler, elle vous écoutera et arrêtera de boire. Je ne peux pas venir là-bas, Yolanda. Non? Pourquoi non? Pourquoi pas... Non, non, je ne peux pas vous expliquer. Je suis la dernière personne que Béatrice voudrait voir en ce moment. C'est sûr que ma présence dans cette demeure ne ferait qu'empirer les choses. Écoutez, assurez-vous de lui donner quelque chose à manger. En tout cas, c'est ce que moi je ferai à votre place, d'accord? Oui, mademoiselle, je vous remercie beaucoup. À plus tard. Ah, oh, mon Dieu. Yolanda, qu'est-ce qui se passe? Où est la glace? Il n'y a pas de glace, Mademoiselle Lina. Comment ça, il n'y en a pas? C'est ça que tu appelles ne pas en avoir? Mademoiselle Lina, excusez-moi de vous dire ça, mais il ne vaudrait pas mieux que Madame Béatrice arrête de boire et qu'elle puisse manger quelque chose? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que tu as un problème avec moi? Non, pas du tout, Mademoiselle Lina. Dans ce cas, ramène-nous de la glace tout de suite. Merci, Yolanda. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Nous n'avons plus besoin de toi ici. Madame Béatrice, je peux rester encore un peu si vous le souhaitez. Ne vous en faites pas, Yolanda, ça va aller. Mais... Yolanda, ne t'inquiète pas. Va donc te reposer. On parlera plus tard. À demain, Madame Béatrice. Excusez-moi. Tiens. On verra bien comment on va pouvoir s'en sortir, mais pour l'instant, on ne fait rien d'autre. Tu peux rentrer. On se voit demain. D'accord. On se voit demain, Monsieur Roberto. Passez une bonne nuit. Oui, merci. Oui, Mariana? Je t'appelle parce que Yolanda m'a appelé il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe, Béatrice? Non, non. Pour l'instant, tout va bien, mais elle m'a appelé pour me dire que Béatrice et Lina étaient en train de boire Roberto. Non. Lina est complètement inconsciente. Comment est-ce qu'elle ose donner de l'alcool à Béatrice? Oui, je sais. D'accord, ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Surtout, ne t'inquiète pas. D'accord, très bien. À plus alors. Mariana. Oui.
Merci de m'avoir appelé. De rien. Papa, tu peux pas contrôler Nina, s'il te plaît? Et maintenant, c'est quoi le problème? Nina est à la maison avec Béatrice. Je trouve que c'est logique, non? Bien sûr que oui. Surtout qu'elles sont en train de se saouler. Et je ne crois pas que ce soit vraiment une bonne chose concernant Béatrice. Tu sais, tu aurais dû y penser bien avant. Avant quoi? Oui, avant que tu ne sois infidèle à Béatrice. Avant, bien sûr, de te montrer en compagnie de tous les beaux mannequins de ce pays. Avant de la tromper avec sa meilleure amie. Avant de détruire son amour propre de femme. Et avant de lui dire en face que toi, tu ne l'aimes pas et que tu es toujours attaché et amoureux de Mariana. Nina t'a tout raconté. Lina me dit absolument tout. C'est toi qui as conduit ta femme dans l'alcool. Donc ne viens pas me dire que tu tiens pour responsable des problèmes de Béatrice, Lina. Car tu es le seul coupable, et c'est toi et toi seul qui la rend malheureuse. Pour moi, il n'y a aucun doute que l'homme qu'il me faut, c'est tout simplement Roberto. Oui, j'ai déjà perdu bien trop de temps avec Ferchio, mais maintenant ça suffit. Non, mais non, non, ne parle pas comme ça de Ferchio, tu sais bien, Scarlett. Ferchio t'aime bien. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? De la souffrance, donc non, merci. Ah, ne me dis pas que tu souffres à cause de Fernando. Non, enfin... Parce que si c'est à cause de Ferchio, c'est parce que tu l'aimes encore, ma chérie. Arrête, Adri, s'il te plaît, tu te fais des films, non? J'ai beaucoup de peine, oui, parce que Ferchio ne me respecte pas, tu comprends? Il ne me respecte pas. Ah, à quoi ça sert de rester avec un homme qui, premièrement, refuse de me soutenir et qui préfère que je reste sagement assise à la maison? Non, ma chérie, car tu sais très bien que je ne suis pas du genre à rester sans rien faire. C'est pour ça que je dis que c'est Roberto qu'il me faut. Mais enfin... Enfin, tu ne crois pas que c'est une très mauvaise idée qu'après tout ce qui s'est passé avec ta sœur, de te remettre avec Roberto? Non. Ah bon? Non, non, parce que ça ne fait pas forcément de moi une mauvaise personne, je t'explique. Mariana et Roberto n'ont pas de futur ensemble. C'était voué à l'échec. Non, ils le sont. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ils sont comme chien et chat tous les deux. Tu comprends ce que je veux dire? En effet. Roberto et moi, nous nous entendons à merveille. Tu vois, lui, il me comprend. Il est très gentil avec moi, je le laisse tranquille. Surtout, je ne me plains pas. Je ne lui fais aucune reproche. Et c'est comme ça que j'aime les hommes. Tu as parfaitement raison. Je vais dire à Roberto de me donner tout ce que je mérite. Enfin, quelque chose de sensé. Il faut absolument qu'il se fasse pardonner pour toutes ces années d'infidélité. Il te doit beaucoup. Crois-moi, tu devrais lui demander au moins 80% de ses actifs. Ça compensera le mal qu'il t'a fait. Oui, oui, quand il se pavanait avec ses maîtresses sous mes yeux. Qu'il partait en voyage avec elle et leur offrait des tonnes de cadeaux. Tandis qu'il attendait comme une idiote à la maison. C'est tant de questions que je laisse à Roberto, mon argent, pour qu'il le dépense avec ses maîtresses. Est-ce que tu veux vraiment que je dise pourquoi j'ai un problème avec tout ça? Quoi donc? Écoute bien. Que toutes les femmes, y compris Mariana, sont ennuyeuses à mourir. Elles sont comme ça, je te dis. Elles sont vraiment ennuyeuses, écoute. Elles passent leur temps à réclamer toujours plus d'attention, se plaignant de ne pas avoir de baisers, d'être délaissées. Elles sont comme ça. Embrasse-moi, regarde-moi, emmène-moi par-ci, par-là. Pas étonnant que les hommes en ont marre. Alors tu es en train d'insinuer que je suis une femme ennuyeuse? Qu'est-ce que tu racontes? Adri, pourquoi est-ce que tu essayes toujours de tout prendre sur toi? Je ne parlais pas de toi, ma chérie, mais je parlais de toutes les femmes en général, d'accord? Tu comprends oui, ce que je veux dire? Oui, je comprends bien, mais je suis aussi une femme, Scarlett. Oui, mais... toi, Adri, tu es une femme vraiment exceptionnelle. Quelle est la différence, hein? Tu n'es pas en train de me dire que tu ne sais pas faire la différence entre général et exceptionnel? Non, tu m'as très bien compris, Scarlett. Tout ce que je te demande, c'est de m'expliquer ce qui me rend différente des autres femmes et pourquoi je ne suis pas comme les autres. Puisque, d'après tes dires, je suis l'exception à la règle, non? Ah non, Adri, je crois que le froid te bousille le cerveau et tu racontes n'importe quoi. Laisse ça tomber, oublie. J'ai été assez stupide pour rester fidèle à un homme qui ne voulait plus me toucher. Eh bien, maintenant que tu as fait ce que tu avais à faire, trouve-toi un homme qui t'aime et désormais tu sais que tu n'as pas à te sentir mal pour ce qui s'est passé avec Miguel Angel. Coupable? Pas du tout! Fais voir!
Donne-moi cette bouteille. Donne-la-moi, je ne voudrais pas non plus que tu tombes dans un coma éthylique. Non, pourquoi tu veux absolument prendre ma bouteille? Donne-la-moi, Béatrice. Ne sois pas aussi bornée, donne-moi cette bouteille, tu veux? Je vais te servir le vin dans une coupe. Tu verras, ça aura meilleur goût et tu te sentiras mieux. Écoute, Roberto fait désormais partie de ton passé. Maintenant, tu dois absolument te concentrer sur ton présent. Mais plus de Roberto. Pour moi, cet homme est bien mort. Et maintenant, je commence une nouvelle vie. Aux côtés de Miguel. Explique-moi, parce que je n'ai rien compris du tout, Scarlett. C'est bon. La prochaine fois, fais ça quand tu verras Miguel Angel. Tu vois, regarde la tête que tu fais alors qu'il n'est même pas... dans cette pièce, non, mais je te jure. Du coup, quand il est en face de toi, tu agis comment te dire Eh bien... tu peux le dire, idiote. Scarlett, est-ce que tu croyais vraiment que je ne le savais pas? L'amour me rend bête. Mais en même temps, il me rend tellement heureuse. Tu sais quoi? Tu es loin d'être comme ces femmes stupides. Tu veux savoir comment tu es? Quoi? Tu es une femme magnifique. Voilà ce que tu es. Tu m'as tellement manqué. Ah, moi aussi, tu sais. Nous n'allons plus jamais nous disputer, non? Non, plus jamais. Nous sommes très belles. Nous sommes très belles. Lina, tu penses vraiment que je pourrais plaire à Miguel Angel? Ou tu trouves que je suis trop vieille pour Béatrice, lui? Arrête, tout ceci est complètement absurde. Pourquoi tu te soucies autant de ce que les autres peuvent penser de toi? Sérieusement, tu dois te concentrer avant tout sur ce que toi tu souhaites. Mais commence donc par ton divorce. Oui, buvons à mon divorce. Plus de Roberto White. À mes yeux, il n'existe plus. Et aujourd'hui commence une toute nouvelle vie aux côtés de quelqu'un qui m'aime tout simplement. Mais regarde qui est là. Je te souhaite la bienvenue à ce qui était auparavant chez toi. Car ce n'est plus chez toi. Et à partir de maintenant, cette maison est la mienne. Enfin non, car j'envisage de la vendre. Je ne veux rien qui me rappellerait notre mariage. Si Madame Béatrice est au courant, ce n'était pas moi. Je t'ai bien dit que je ne dirais rien. Et j'ai tenu parole. Oui, je sais. Béatrice l'a appris par une autre personne que toi, papa. Mais donc quoi? Tu te retrouves à la rue parce que j'imagine bien qu'elle t'a mise à la porte. Un jour ou l'autre, j'aurais eu à quitter Béatrice Durand et ce jour est arrivé. Mais ce n'est pas grave. Je vais commencer un nouveau poste au magazine où travaille Juan Carlos. Je vois que ce garçon t'épaule vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Bien sûr, Juan Carlos est très gentil avec moi. Et surtout que ce n'est pas un White. Ah non, pas encore. C'est une bonne chose, car l'heure est venue pour eux. Parce qu'ils vont payer pour absolument tout le mal qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de la justice divine. Dieu ne peut permettre à ces misérables de faire tout ce qu'ils veulent, sans même les punir. Ah, ne dis pas ça car tu ne crois même pas en Dieu. Peu importe. Les White paieront. Tu verras. Tu verras. Oh. Bien le bonsoir, ma chère sœur. Ah, Scarlett, te voilà. C'était la pire journée de ma vie. Oh! Tu veux dire que c'était la grande révélation? Oui, Béatrice a tout découvert aujourd'hui. Oh. Mince alors, c'est triste pour toi. Mais quoique pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que cela veut dire que Roberto et elle vont maintenant divorcer. Un point pour mais moi. Mais enfin! C'est quoi le problème? Que je te dis la vérité? Ce qui me dérange réellement avec toi, Scarlett, c'est ton insouciance. Inconsciente, moi? Oh, ma chère sœur adorée. Tu fais erreur, car je suis très consciente. Oui, madame. Que ça te plaise ou pas, je serai avec Roberto. Regarde-moi bien, Mariana. Je ne vais pas me laisser marcher dessus. Je ferai tout mon possible, comme j'ai un plan infaillible. Tu as vraiment un plan? Oui, comme tu peux le voir. Je sais que la reine des plans, c'est toi. Et comme je ne peux rien te dire, je vais faire en sorte de me débrouiller toute seule. Béatrice, non, que je boive ou pas, c'est mon problème et pas le tien. Ça ne te concerne pas et tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Béatrice, tu es en train de te faire du mal. Hein? Que dire de tout le mal que toi tu m'as fait pendant toutes ces années, dis-moi. Allez, Béatrice, allons nous coucher, ça suffit maintenant. Non, non, je voudrais dire à cet homme tout ce que j'ai refoulé au fond de moi durant toutes ces années. Béatrice, on en discutera demain, c'est mieux que tu ailles te coucher. J'ai gâché 8 belles années de ma vie avec toi. À prendre soin de toi, à te chouchouter. J'ai essayé d'être la meilleure épouse qui soit. Je t'ai accompagnée au déjeuner d'affaires, au cocktail avec les ambassadeurs, au dîner avec les entrepreneurs.
Et tu vivais dans un hôtel 5 étoiles avec une bonne à ton service. Béatrice, tu veux bien... Je n'ai pas encore fini. Tu m'as utilisée pour faire bonne figure. Alors qu'à la maison, tu ne remplissais pas ton devoir conjugal. Tu ne me faisais même pas l'amour. Lina, je crois qu'il vaudrait mieux que tu ne le laisses seule. Non, Lina ne va nulle part parce que c'est ma maison et elle c'est ma sœur. Tu restes là. Tu veux pas qu'elle parte, simplement pour ne pas qu'elle voie que tu es un lâche. Ça suffit maintenant, Béatrice. Tu vas m'écouter. J'en ai assez. Tu vas m'écouter. Je vais te dire, je n'ai aucun problème à me trouver un autre homme. D'ailleurs, j'ai même déjà un amant. Toi, tu as un amant? Béatrice, viens, on va se coucher maintenant. Oui, j'ai un amant qui me fait me sentir comme une vraie femme. Arrête de dire n'importe quoi, Roberto va finir par penser que tu es oui, sérieuse. Oui, je suis sérieuse, Lina. C'est la vérité et je ne le regrette pas. Et tu sais quoi? Tu as tout ce que tu mérites parce que je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Va-t'en chez moi, je te déteste. Va-t'en. C'est bon, arrête. Dégage d'ici. Sors d'ici. Arrête, laisse-moi arrête, être heureuse, dis. Roberto. Non. Tire-toi. Arrête, je ne veux maintenant. Plus jamais te arrête, revoir arrête, toute Béatrice, ma vie. Arrête, plus Béatrice, jamais. Arrête, calme-toi, ne me Béatrice. Pas. Calme-toi. Ne me touche pas parce que toi aussi tu m'as trahi. Non. Calme-toi, ne Béatrice. Me touche pas. Calme-toi. Sors d'ici. Allez, ok. Je n'ai pas besoin de toi, Ronald. Béatrice, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, je suis vraiment désolée. Mais surtout, ce n'était pas à moi de te dire la vérité. Mais tu étais du côté de Mariana. Je pensais que tu étais mon amie. Mais toi aussi, tu m'as trahi, tout comme Roberto. Béatrice, je suis ton amie, je le serai toujours, crois-moi. Les amis ne trahissent pas leurs amis, Juan Carlos. Je ne te fais plus confiance. Roberto et toi étiez les personnes les plus importantes pour moi. Mais vous m'avez rejetée pour Mariana. Elle est si parfaite que ça, hein? En plus, je l'aimais beaucoup. Elle était mon amie. Ne t'approche pas de moi. Je n'ai pas besoin de toi, Juan Carlos. Je t'en prie, Béatrice. Je serai toujours ton amie. Je n'ai pas besoin de ton amitié. J'ai déjà un amant pour ça. Oh, que c'est beau, hein? Mais tu as acheté beaucoup de vêtements? Non, regarde. Seulement ce qu'il faut pour ressembler à une femme fatale et fulminante. Offensive fatale et fulminante? Attends, Marie. Tu veux que je te dise la tactique que je vais utiliser avec Roberto? Tu vois pas que tu es mon rival? Ah, arrête avec ça, Scarlett. Je ne suis pas en compétition avec toi. C'est parfait, parfait, Marie. Toujours attentionnée, mais c'est bien comme ça. Ça m'évitera de t'humilier. C'est bien parce que... Car comme tu vas sûrement perdre, très intelligent de ta part de te retirer. Car tu sais que c'est très honorable. J'ai bien failli oublier. Ta super sœur a pensé à sa super sœur. Tiens, c'est un cadeau que j'ai choisi spécialement pour toi. Et je crois que je vais porter celui-là. Et donc, qu'est-ce que je suis censée faire avec ces sous-vêtements? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, le porter. Oh. Le porter pour que l'homme de tes rêves puisse le retirer. C'est là. Je vais voter. Je vote pour Juan Carlos. Car je pense que c'est bien lui, parce que Roberto, tu peux l'oublier, ma chérie, car il est déjà à moi. Pourquoi tu rigoles? Je ris pour ne pas pleurer, Scarlett. Est-ce que tu es folle? Vraiment, je crois que tu l'es. Une autre erreur de ta part, ma sœur. Regarde-moi. Je suis tout à fait lucide. Je ne suis pas folle. Regarde-moi. Regarde, je suis lucide. Et celle qui devrait être plus prudente, c'est bien toi. Parce que tu n'as absolument aucune idée de ce qui va bientôt te tomber dessus. Ça, c'est sûr. Béatrice ne peut pas boire d'alcool. Tu as vu quel effet ça fait sur elle? Elle est en train de souffrir. Et cette situation l'a complètement anéantie. Oui, mais tu sais que l'alcool empire les choses et le supporte mal. Je n'arrive pas à le croire, vraiment, c'est incroyable. Roberto, tu es en train de me dire que ma sœur est une alcoolique? Tu pourrais au moins avoir la décence de ne pas la rabaisser, tu dois la comprendre. Tu es en train de mettre fin à ton mariage pour être avec sa meilleure amie. Béatrice a un problème avec l'alcool, car elle l'avait elle-même reconnu. Et elle s'apprêtait à commencer une cure de désintoxication. Du moins, c'est ce qu'elle a raconté à Mariana. Respecte cette maison et ne mentionne pas le nom de ta maîtresse ici. Eh bien, puisque nous en parlons, tu peux peut-être éclairer ma lanterne parce que plusieurs amants ont été mentionnés tout à l'heure. Voyons, c'est quoi cette histoire d'amant? Qui est-ce? Comment s'appelle-t-il? Et même, si Béatrice avait un amant et que je l'aurais su, crois-moi que tu serais vraiment la dernière personne à qui je le dirais. Mais ce n'est pas le cas.
Toute cette histoire selon laquelle Béatrice aurait un amant n'est qu'un pur fantasme. Ah, tout simplement un fantasme. Oui, Roberto. Béatrice se sent très seule. Elle ne sait pas quoi faire, alors elle a décidé de s'inventer un amant. C'est une sorte de mécanisme de compensation psychologique pour éviter de souffrir. Tout ça, bien sûr, c'est de ta faute. Oui, bien sûr, oui. Je ne vais sûrement pas te dire qui est mon amant parce que c'est mon secret. D'accord. Béatrice, si tu veux rien me dire, pas de problème. De toute façon, je sais que c'est faux. C'est la vérité. Et si tu ne me crois pas, ça m'est égal. J'ai assez de souvenirs de ses baisers et de ses caresses. Il m'a fait ressentir des choses que personne ne peut imaginer. Béatrice, mais alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a un nouvel homme dans ta vie? Qui est-ce? Est-ce que je le connais? Je ne vais pas te le dire, je ne te fais pas confiance. Juan Carlos, va-t'en, s'il te plaît. Eh bien, si tu veux te confier à quelqu'un, je suis là. Et... je parlerai avec Lina, car je peux avoir confiance en ma sœur. C'est la seule amie que j'ai. Je sais. Et je suis conscient que tout ce qui arrive à Béatrice est entièrement de ma faute, mais j'imagine que ça t'a fait immensément plaisir de lui dire la vérité. Je ne comprends pas. Non ? Tu ne comprends pas ? Arrête de faire ton innocente, Lina, car ça ne te réussit pas du tout, crois-moi. Et tu le sais parfaitement que toute ta vie, tu as toujours envié ce que Béatrice a fait. Tu te trompes complètement, Roberto. Non. Ma relation avec ma sœur a toujours été très claire, basée sur l'amour que je lui porte. Je ne te laisserai pas dire n'importe quoi pour me blesser. Arrête, c'est bon. Arrête de jouer la comédie parce que tu sais très bien qu'avec moi, tu n'as pas besoin de faire semblant, car je sais comment tu es. Si tu me connaissais, tu saurais que je ne fais pas semblant. Je suis une femme très digne et honnête. Mais alors, pourquoi tu allais dire à mon père que c'est moi qui te harcelais si ce n'est pas la vérité? Ton père est au courant que toi et moi avions eu une aventure dans le passé. Finalement, je suis sur le point de l'épouser et donc, il doit tout savoir de ma vie et mon histoire avec toi inclus. Mais il se trouve que Gonzalo est un homme très jaloux. Et il pense que tu continues à me courir après, mais crois-moi, j'ai fait tout ce qui était possible pour le convaincre que notre histoire c'était du passé et qu'il n'avait rien à craindre. Non, Lina, une fois pour toutes, nous n'avons jamais été ensemble. Toi et moi, ce n'était simplement qu'une aventure d'un soir et c'est tout. C'est peut-être comme ça pour toi. Mais pour moi, c'était différent et c'était vraiment important. Mais tu sais quoi? C'est pas important. C'est du passé. Car maintenant, je vais bientôt devenir la femme de ton père. Oui. Et pourquoi? Pourquoi tu vas épouser mon père? Est-ce que tu l'aimes? Tu es en train de mettre en doute mon amour pour Gonzalo? Ou tu aurais préféré que je ne me marie pas avec lui? Je ne crois pas que tu sois la femme dont mon père a besoin. Tu agis exactement comme si tu étais jaloux. Je te préviens, Lina. Je ne veux pas que tu fasses souffrir mon non père. Non! Roberto, lâche-moi, non! Ah, Juan Carlos, heureusement que tu arrives juste à temps. Est-ce qu'il t'embêtait? Eh bien, je ferais mieux d'y aller. Tu ne portes pas la nuisette que je t'ai achetée? Pourquoi tu n'aimes pas mon cadeau? Tu sais bien que je ne porte pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce que tu trouves que c'est un peu trop... comment dire? Trop voyant? Arrête maintenant. S'il te plaît, arrête. Dis-moi ce que tu as à me dire et arrête tes imbécilités. Quelle horrible chose. Viens ici que je te dise en face ce que je pense de toi, Mariana. Tu n'as jamais eu de succès avec les hommes et tu sais pourquoi? Parce que tu es beaucoup trop coincée. Alors qu'avec toi, on s'amuse? Cher, comme le piment, ma chérie. On a tous besoin d'un peu de piment dans la vie. Tu comprends? Et ça, Roberto l'a très bien compris. Ah, ça va. Arrête, ne me parle plus de Roberto. Ça te dérange? Oui, oui, ça me dérange, et beaucoup même. Mais ça, tu le sais. Mais tu sais ce qui m'agace encore plus, Scarlett? Ce ton que tu prends quand tu me parles ces derniers temps. C'est-à-dire? Comme ça! Tu parles comme ces femmes pédantes qui croient toujours tout connaître, elles qui n'ont aucun sens moral. Mais toi, tu n'es pas de la sorte. Eh bien, peut-être que tu ne me connais pas très bien. Je sais que tu es ma sœur.
Je suis bien plus que ta sœur. Je suis ta super sœur, Mariana. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien, car ça ne veut rien dire. Parce que tu oublies pas, par exemple, je pensais te connaître. Je croyais que tu étais une femme honnête, avec des principes, que tu étais loyale et honnête, et non. Tu m'as tout de même déçue, Mariana. Tu m'as vraiment déçue. Je te vois demain. Oui, c'est ça, Dor. Si ta conscience te laisse faire. Il se prend pour qui, ce Roberto? Il croit que toutes les femmes du monde lui appartiennent ou quoi? Juan Carlos, s'il te plaît, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Et je t'en prie, promets-moi que tu ne diras rien de tout ça à ma sœur. Non, calme-toi, Lina. Je ne dirai rien à Béatrice, mais c'est juste que ce mec me dégoûte. Ça me répugne de le voir aussi agressif et égoïste. Mariana, Scarlett, Adelaida, San Juan, Béatrice, et maintenant toi. Il ne peut pas se contenir ou quoi? Ce type est un malade. Une personne qui se sent obligée d'accumuler autant de conquêtes a certainement de graves problèmes psychologiques. Je suis d'accord. Roberto ne respecte rien, ni personne. Pourtant, je vais me marier avec son père, il s'en fout carrément. Il me fait des avances, il m'appelle pour me donner rendez-vous, me harceler. Et là, tu l'as vu toi-même, il a essayé de m'embrasser. C'est vraiment pathétique. Il faudrait vraiment que quelqu'un mette un frein à cette situation. Il ne peut pas continuer à profiter des gens comme ça. Oui, mais tu sais quoi? Je crois en la justice divine. Et Roberto va payer pour tout ça. Ah, la vie des humains est parfois très compliquée, Don Juan. Toi, tu changes de femme toutes les semaines et tu t'en fiches. Que ce soit l'une ou l'autre, pour toi, c'est pareil. Tu profites de la vie et tu t'amuses bien. Mais oh, moi, Don Juan, je suis amoureux. Et Lina veut annuler notre mariage. Je ne pardonnerai jamais à Roberto. Jamais. Jamais. Aïe, Don Juan, toi et moi savons tous les deux que Roberto est un égoïste et un coureur de jupons. Et qui plus est, il a osé harceler Lina, ma future épouse. Je me suis trompé dans l'éducation de Roberto. Je l'ai abandonné au moment où il avait le plus besoin de moi. Et c'est son grand-père qui l'a élevé. Mais maintenant, je le vois plus comme un rival qu'un fils. C'est entièrement de sa faute. Si Lina n'a plus confiance en moi, ne veut plus qu'on se marie. Je ne sais pas du tout quoi faire. Ah. Je peux te donner un conseil ? Lina. Tu lui fais vraiment confiance à cet étalon? C'est que Don Juan est mon meilleur ami. Parfois, je crois même qu'il est mon seul et unique ami. Si tu continues à parler ainsi, je vais être jalouse. Tu as dit que tu allais me donner un conseil? Oui. Gonzalo, tu veux bien m'épouser? Lina, mon amour. Si j'ai bien entendu, tu disais à Don Juan que je suis vraiment très importante à tes yeux. Dans ce cas, on peut continuer avec les préparatifs du mariage. Oui, j'ai dit ça. Mon amour, c'est magnifique. Mais à une seule condition. Je veux que Roberto reste très loin de nous. Écoute, je sais bien qu'il est ton fils unique, mon chéri. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais je crois aussi que Roberto a une mauvaise influence sur notre relation. Je ne veux pas que tu lui demandes de l'aide. Et je ne veux pas que tu lui sois redevable. Donc tu me demandes de démissionner en tant que président de la Fondation? Non. Je sais bien que ça te rend heureux d'occuper ce poste. Eh bien, tout ce que je te demande, c'est que ton fils ne se mêle pas de notre histoire. Oui, je comprends. Et je vais faire tout mon possible pour le garder loin de nous. Ah, mon amour, tu es incroyable. Tu es aussi incroyable que cette ferme. Que tu aimes tellement, n'est-ce pas? Ah oui, je l'aime. Ne sois pas jalouse de mon amour pour cette ferme. Non, bien sûr que non. Moi aussi, je veux absolument la garder, cette ferme. C'est grâce à elle que nous pourrons nous assurer un très bel avenir. Quand nous l'aurons transformée, nous aurons beaucoup plus d'argent. Et du coup, nous n'aurons plus besoin de l'aide de Roberto, plus jamais. Je ne pensais pas que tu accepterais de me recevoir. Mariana t'a donné la permission de me voir? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de Mariana. Non, je sais bien ce qui se passe. C'est que lors de notre dernière conversation, tu m'as bien dit que tu lui avais promis de ne plus jamais me revoir.
Si tu es venu pour me parler de Mariana, eh bien sache que cette conversation ne durera pas très longtemps. D'accord, j'ai compris. Non, je ne suis pas venu pour parler d'elle. Je suis venu te faire une proposition. Et cette fois, tu n'as pas intérêt à me dire non. J'ai trouvé la solution idéale pour faire avancer la campagne de lutte contre la contrebande. Scarlett, il n'y aura pas de campagne, car ça coûte beaucoup trop cher. Je devais parler au ministre du Commerce pour essayer d'obtenir un financement, mais comme c'était Béatrice qui devait s'occuper de prendre le rendez-vous avec lui et qu'en ce moment j'ai tellement de problèmes avec elle... Aucune importance. Car tu as besoin d'avoir un contact au ministère des Finances et non pas à celui du Commerce. Et je peux le faire. Écoute, mais j'ai demandé à mon père. Et le ministère des Finances souffre de grosses pertes d'argent à cause de la contrebande. Ce qui fait qu'il y a un trou dans leur fonds d'investissement. Et à chaque fois qu'une cargaison entre illégalement dans ce pays, sans même payer les frais pour la douane. Est-ce que tu connais le ministre des Finances? Non. Non. Non, mais... Mais je connais bien un bon ami qui gère le budget de publicité du ministère. Et il s'intéresse à la campagne. Et là, tu es censé ouvrir grand les yeux, venir me faire un gros câlin et me donner un bisou et avouer que je suis une bonne amie. Et dis-moi, cet ami, d'où est-ce que tu le connais? Il va souvent sur mon site web et nous sommes devenus amis. Ah, tu as un site web maintenant? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'y poste des photos de moi, des vidéos, des chats personnels. Mais bref, le fait que nous avons simplement discuté, on a sympathisé, par la suite, nous sommes devenus de très bons amis. Maintenant, on a des horaires pour se parler et tout, parce que je ne sais pas ce que tu t'imagines. Il est dingue. Deux mois, je te le jure, il m'a même invité à sortir. Il me harcèle pour que j'accepte son aide. Alors pourquoi pas? Est-ce que tu sors déjà avec lui? Ah non! Non, non, non. Non, pas du tout, je l'ai seulement vu à travers la petite caméra qui est sur mon ordi et... Non, lui, c'est un vieil homme. Il est vieux et je pense même qu'il est marié. De toute façon, il a la peau qui prend sous le menton, ah non. Je n'aime pas du tout cet homme. Mais c'est un fan. C'est un fan qui, quand j'ai mentionné la campagne de lutte contre la contrebande, alors il s'est montré intéressé. Regarde, j'ai écrit le numéro de téléphone ici. Appelle-le.